jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce très joli sac. Tous les étés, je me donne pour but de vous faire un nouveau sac pour les courses. Et bien cette année, ça sera celui-ci, fait donc en marama. Très facile d'entretien, vous le mettez dans la machine sans aucun souci. Très facile à faire aussi. Nous allons faire ça avec un crochet en 3,5. Eh bien, c'est parti. On commence donc par faire un cercle magique. Et nous faisons une, deux mailles en l'air, suivies de deux brides qu'on ne finit pas. Allez, une première et une seconde. Un jeté, suivi de trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et maintenant, on va faire des brides qu'on ne finit pas par trois. Donc, une première, une deuxième. On va le coucher, ça sera mieux. Voilà. Et une troisième. Un jeté et une, deux, trois mailles en l'air. On va considérer que ce sont des pétales et nous en avons déjà une, deux. Il va nous en falloir donc 6 de plus suivis de trois mailles en l'air. Donc on fait trois brides qu'on ne finit pas. Une, deux, trois, un jeté, trois mailles en l'air. Et là, il nous en faut donc à présent 5 supplémentaires. Je vous rejoins quand on a fait nos 5 pétales avec les 3 mailles en l'air de plus. Une fois que nous avons nos 8 pétales, nous allons venir faire ici. On pique dans la première maille et on fait donc une bride. On va venir rentrer le fil de départ, on tire bien donc sur le départ et on va venir rentrer le fil. Allez, on poursuit vers le deuxième rang de la façon suivante, on fait deux mailles en l'air et on vient faire deux brides qu'on ne finit pas dans cet espace. Une, deux, un jeté, une, deux, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace ici, nous allons faire 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3, un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et une maille serrée ici. D'accord? Donc, cette partie-là, on va la répéter. Donc, deux fois supplémentaire, deux fois et demi supplémentaire. On va le faire ensemble, ça sera plus simple. Allez, une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Dans l'espace suivant, trois brides qu'on ne finit pas. Une première. Une deuxième. Une troisième. Un jeté. Une, deux, trois mailles en l'air. On refait trois brides qu'on ne finit pas. Une première. Une deuxième, une troisième, un jeté, une, deux,
trois mailles en l'air, une quatrième et ici une maille serrée. D'accord ? Donc on a deux motifs, on vient faire le troisième ici, quatre mailles en l'air, trois brides qu'on ne finit pas, une, deux, trois, un jeté, une, deux, trois mailles en l'air, trois brides qu'on ne finit pas, toujours dans le même espace, une, deux, trois, un jeté, quatre mailles en l'air, trois, quatre, ici une maille serrée, et là nous allons terminer notre motif ici. Donc quatre mailles en l'air, trois brides qu'on ne finit pas, une, deux, trois, un jeté, une maille en l'air, et là nous venons ici faire une demi-bride, comme ceci. Là nous sommes en plein milieu, et voilà ce que nous avons obtenu. Ce motif-ci, ça sera le motif qu'on aura donc constamment sur les côtés, d'accord? Donc on repart avec une, deux mailles en l'air, nos trois brides à l'intérieur ici qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, un jeté, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, nous faisons ici une maille serrée, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, ici une maille serrée et une, deux, trois, quatre mailles en l'air, et là nous refaisons ce motif ici à l'intérieur. Alors une bride qu'on ne finit pas, une deuxième bride qu'on ne finit pas, une troisième bride qu'on ne finit pas, un jeté, une, deux, trois mailles en l'air, et on recommence. Une bride qu'on ne finit pas, si ça veut bien. Une bride qu'on ne finit pas. Une seconde bride qu'on ne finit pas. Une troisième bride qu'on ne finit pas. Un jeté et une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Et là, c'est donc ce motif qu'on refait, d'accord? Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. Une première. C'est ça quand on veut aller trop vite. Une première. Une deuxième. Une troisième, un jeté, une, deux, trois mailles en l'air, et on refait encore trois brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, une troisième, un jeté, et une, deux, trois, quatre mailles en l'air, et ici la maille serrée. D'accord ? Je vais vous laisser faire, donc refaire donc cette partie. Celle-ci, c'est celle-ci. On poursuit par la maille serrée des quatre mailles en l'air, maille serrée et le motif. Vous le répétez donc ici. Vous faites donc votre motif ici. Quatre mailles en l'air, maille serrée. Quatre mailles en l'air, maille serrée. Et on se rejoint ici après la maille serrée. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc voici où nous en sommes de notre motif, la fameuse maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas ici, une première, une deuxième, une troisième, un jeté, une maille en l'air et une demi-bride
juste ici pour terminer notre rang. Allez, on va passer au rang numéro 4, toujours la même chose dans les angles, c'est-à-dire qu'on fait nos deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, un jeté, une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Ici, on fait notre maille serrée. Et là, maintenant, nous allons venir faire 8 brides dans cet espace-ci. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et la huitième. Maintenant, nous faisons notre angle. L'angle, c'est toujours maille serrée, 4 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée. D'accord? Donc ça, on le considérera toujours comme notre angle. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, 8 brides. L'angle, 8 brides, l'angle, 8 brides, et on se rejoint après nos 8 brides. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. Voilà, nous venons de faire nos 8 brides, la maille serrée. On poursuit donc par 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On vient faire la dernière partie du motif, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas, 1 jeté, 1 maille en l'air et ici, hop, notre demi-bride. Voilà, allez, ceci est la fin de notre quatrième rang. Allez, nous allons poursuivre donc nos angles en faisant nos deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, donc une première, une deuxième, un jeté, quatre mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, mailles serrées. Alors, on note bien parce que ça, on va venir le reproduire ici, là et là. D'accord? Donc, 4 mailles en l'air. Notre maille serrée. On fait ensuite 1, 2, 3, 4. Sur la troisième bride, 1, 2, 3. Sur la troisième bride, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air, qu'est-ce qu'elle raconte? 2, 3, 4, ça fait pas 10 fois que je vous dis 4 mailles en l'air. On vient compter donc 1, 2, 3 sur la troisième à partir de là. Hop, pareil, maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et on refait notre angle. Toujours pareil, les angles, maille serrée, 4 mailles en l'air, les brides qu'on ne finit pas, tac, 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 jusqu'à la maille serrée ici. Et une fois ici, vous recommencez ça. Donc, maille serrée, 4 mailles en l'air. Sur la troisième ici, maille serrée, 4 mailles en l'air. Sur la troisième ici, maille serrée. Et ainsi de suite. Vous reproduisez ça jusqu'à avoir fait ici, ici, votre maille serrée. D'accord? Alors, je vais faire ce petit bout-ci pour pas que ça vous perturbe.
Voilà, là on refait l'angle toujours pareil dans les angles, on fait toujours la même chose. Allez, je vous rejoins donc à la dernière maille serrée juste ici. Voici donc que nous allons terminer le cinquième rang par 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, nos 3 brides qu'on ne finit pas, toujours pareil, toujours dans l'angle, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et une demi-bride ici. Comme ceci. Nous voici dans l'angle. Voilà la fin du cinquième rang. Allez, nous allons passer à présent au sixième rang. Deux mailles en l'air, toujours pareil hein, dans l'angle. Une bride qu'on ne finit pas. Une seconde bride qu'on ne finit pas. Un jeté. Les quatre mailles en l'air. 2, 3, 4. Ici la maille serrée et là nous allons faire donc nos 8 brides. Nos 8 brides dans cet espace-ci. Alors vous notez bien ce qui va se passer sur ce côté-ci puisque ça sera à reproduire ici, là et là. D'accord? Donc nous allons faire dans cet espace-ci 8 brides, maille serrée, 8 brides. Allez, c'est parti, 8 brides. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, et voici la huitième. En plein milieu, une maille serrée, 8 brides dans l'espace d'à côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et notre maille serrée pour faire notre angle. D'accord? Donc on fait l'angle avec la maille serrée ici, 8 brides, maille serrée, 8 brides, maille serrée, angle, maille serrée, 8 brides, ainsi de suite. D'accord? On se rejoint à la dernière maille serrée après les 8 brides. Voici donc la fin de notre rang numéro 6 avec une 2, 3, 4 mailles en l'air et notre dernière partie de motif composée de 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air et une demi-bride juste ici. Allez, on se laisse faire. Voilà. Allez, on a terminé notre rang numéro 6, on passe au rang numéro 7. Rang numéro 7, et on commence toujours pareil avec 2 mailles en l'air et 2 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, on fait notre maille serrée. À partir de là, on va noter ce qu'on va faire donc sur le côté de façon à le reproduire sur les 3 côtés suivants. D'accord? Donc nous avons fait nos 4 mailles en l'air, notre maille serrée et maintenant on va faire 5 fois 4 mailles en l'air, une maille serrée. C'est parti pour la première. Donc 1, 2, 3 et 4. Comme précédemment, on va dans la troisième bride ici, maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Comme précédemment, dans la troisième ici, maille serrée. Et 1, 2,
3 et 4. Comme précédemment, dans la troisième ici, maille serrée. Et 1, 2, 3 et 4. Comme précédemment, dans la troisième ici, maille serrée. Et on va terminer donc par 1, 2, 3 et 4 et notre maille serrée. Voilà, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 arceaux faits de 4 mailles en l'air et de mailles serrées. Et maintenant, on refait nos côtés 5 arceaux mailles serrées, l'angle 5 arceaux mailles serrées et l'angle 5 arceaux marseillais, bien évidemment, la maille serrée qui devient marseillais. Allez, c'est parti. Je vous rejoins une fois qu'on a fini nos marseillais, juste ici, tout à l'heure. Allez, on termine donc notre rang numéro 7 par nos 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et notre motif ici. Donc, je vais le faire chaque fois. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et ici la demi-bride. Voilà, allez, on va entamer le rang numéro 8 qu'on commence exactement ben, comme les mêmes hein, avec nos 1, 2 mailles en l'air, les deux brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Notre maille serrée sur le côté, immuable. Et là, maintenant, on va faire nos 8 mailles serrées. Alors, je vous ai mis des petits marqueurs pour que vous les repériez. C'est tout simplement oui, non, oui, non, oui. D'accord? Donc là, vous ferez votre angle normal. Et on recommence. Oui, non, oui, non, oui. Angle normal. Oui, non, oui, non, oui. Angle normal, oui, non, oui, non, oui. Ok? Allez, c'est parti. On fait donc nos 8 brides dans les oui. Donc, 1, 2, 3, 4, hop, on va sortir. 5, 6, 7 et 8. Là, nous sommes dans le non, donc on fait une maille serrée. Là, on est dans le oui. Dans le oui. Je parle belge. Dans le... Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée, c'est le nom. Et nous venons faire ici notre oui. Donc, nos 8. Ah, aussi, c'est difficile. Oui, 8. Oui, 8. Essayez de le dire vite, voir si vous y arrivez. Vous comprenez? Vous comprendrez que je me mélange. Donc, ici, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, allez, maille serrée, on fait notre angle. Et ça, vous le répétez donc sur les côtés ici, ici et là. Et on se rejoint ici par la maille serrée. On termine donc notre rang ici par la maille serrée. Et comme sur les rangs précédents, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et la dernière
partie du motif. Donc, 3 brides qu'on ne finit pas. 2. 3. Un jeté. Une maille en l'air et une demi-bride ici. Voilà. Allez, on a terminé. On va venir entamer notre rang numéro 9 qui sera fait que d'arceaux. Donc exactement comme le rang numéro 7. D'accord ? Donc on part sur une, deux mailles en l'air. Ici, notre motif avec les deux brides qu'on ne finit pas. Un jeté, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Ici, la maille serrée. Et comme sur le rang numéro 7, on va venir faire chaque fois une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Sur le troisième, maille serrée. Quatre mailles en l'air. Deux, trois, quatre. Sur le troisième, en partant de la fin, maille serrée. Une, deux, trois, quatre. Sur le troisième, ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, sur le troisième en partant de la fin, maille serrée. 1, 2, 3, 4, sur le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, sur le troisième en partant de la fin, maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, ici la maille serrée et on vient faire notre angle, d'accord? Donc ça, vous le reproduisez sur les trois côtés suivants. On se rejoint ici avec la maille serrée. Allez, on termine notre rang des darceaux, c'est le rang numéro 9. Donc avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et la fin du motif. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, une demi-bride ici. Voilà, allez, on a terminé le rang numéro 9 et on va venir encore faire des brides par nombre de 8. Donc, on va faire nos brides par nombre de 8 dans les grands. Alors, vous voyez, il y en a qui sont plus grands que les autres. Grand, pas grand. Grand, pas grand. Donc, à chaque fois que c'est grand, et on en a 4, 1, 2, 3, 4, là, vous faites 8 brides. Et dans les petits, on fait des mailles serrées. OK ? Eh bien, écoutez, c'est parti. Là, on finit donc notre angle en faisant 2 mailles en l'air, les 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, notre maille serrée, voilà, et à partir de là, dans les grands arceaux, on fait nos 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voici la huitième. Dans l'arceau d'après qui est plus petit, maille serrée. D'accord ? Donc, je vais vous laisser faire dans les grands arceaux 8 brides, dans les petits mailles serrées, dans les angles des angles. C'est pas compliqué. On fait ça jusqu'ici, jusqu'à la maille serrée ici, à deux sites. Nous terminons donc le rang numéro 10. On a bien repéré que les rangs pairs étaient faits des 8 brides et les rangs impairs étaient faits d'arceaux. Donc, nous allons faire maintenant, d'abord, on va terminer, bien évidemment, ici, en faisant la maille serrée, les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on termine notre motif de l'angle en faisant les 3 brides qu'on ne finit pas. 2,
3, un jeté, une maille en l'air et la demi-bride pour terminer ici notre motif. Allez, on a terminé notre angle. On passe donc au rang numéro 11. Le rang numéro 11 étant un rang impair, ça sera donc un rang d'arceau. Rang d'arceau, néanmoins, on fait notre angle, deux mailles en l'air, les deux brides qu'on ne finit pas, une, deux, un jeté, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, ici, notre maille serrée, et on est parti donc pour le rang d'arceau. Comme le rang numéro 7, le rang numéro 9, c'est simplement 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la troisième maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la troisième en partant de la fin, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, dans la troisième, une maille serrée, et ainsi de suite, comme les rangs numéro 7 et le rang numéro 9. Vous faites exactement pareil, grand arceau, petit arceau, on fait le tour, et on se retrouve ici avec la maille serrée. À tout à l'heure. Allez, on va terminer notre rang numéro 11 en faisant les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on termine notre motif avec trois brides qu'on ne finit pas, un jeté, on fait notre jeté suivi de une maille en l'air et ici notre demi-bride. Voilà. Allez. Alors, maintenant, ça va commencer à être les rangs de répétition. On va faire celui-ci qui est le 12, le rang numéro 12, et on va le répéter chaque fois avec celui d'après, qui est en fait égal au 11. D'accord ? Mais ça, on le verra après. Donc, vous notez à partir de maintenant ce qu'on fait. Ça sera donc 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, constamment jusqu'à la hauteur que vous désirez. Allez, c'est parti. Deux mailles en l'air. Une et deux. Deux brides qu'on ne finit pas. Une première et une deuxième. Un jeté. Une, deux, trois et quatre. Une maille serrée, juste ici. Là, on va venir faire dans les grands, hop, hop, dans les deux premiers grands, là, nos huit brides. Alors, bien évidemment, vous notez ce qu'on fait sur ce côté, pour le refaire sur les autres côtés, hein, on est d'accord. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le petit arceau, une maille serrée. Dans le grand arceau, 8 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides. Une fois qu'on a terminé donc nos 8 brides, on va venir, comme je vous dis, hein, ce rang-là, ça sera donc un rang de répétition, le premier des deux rangs de répétition. Donc on fera toujours la même chose. Ici, on récupère donc notre maille. Ici, on récupère notre maille. Ici, on récupère notre maille. Donc dans les trois, ici, on a récupéré donc pour avoir 1, 2, 3 maille plus celle-ci, la quatrième, et là on fait un jeté, comme ceci. Et maintenant on va venir refaire ici nos 8 brides. Alors ça, on le considère en 2, j'avance un peu pour détendre un petit peu le travail,
3. On le considère comme quand on avait fait ici notre maille serrée, vous voyez. Ça, on le considère donc comme une maille serrée. Donc, on a refait 3 brides. 4. 5. 6. 7. 8. Mailles serrées. Les 8 ici. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce qui a changé sur ce rang-ci, c'est simplement le fait qu'on a fait une diminution en venant chercher ici, là et là, dans les 3 arceaux centraux, on a réuni pour faire une diminution en une seule maille. D'accord? Donc ça, vous allez le faire sur les autres côtés et on se rejoint donc à la maille serrée juste ici. Comme je vous ai dit, ici, diminution sur les 3. Là, on va prendre arceau, arceau, arceau. On va faire une diminution pour en faire une seule maille. On se rejoint ici sur la maille serrée. Alors, voilà ce que nous obtenons une fois que nous faisons les diminutions. On voit bien que nous sommes en train de créer donc le fond du sac avec les côtés du sac. Donc maintenant, vous allez tout simplement... Alors, on termine notre rang, bien évidemment. 2, 3 et 4. Ici, nous faisons notre dernière partie. Donc, 3 brides qu'on ne finit pas. On commence à avoir l'habitude. Ça, c'est notre dernière partie de notre angle. Hop, comme ceci. La maille en l'air, la demi-bride. Voilà qui est fait. Ceci était donc notre rang numéro 12. Le rang numéro 13, il est égal au rang numéro 11. Et vous allez répéter constamment. 12, 13, 12, pardon, excusez-moi. 11, 12, 11, 12, 11, 12. En fait, c'est le 13, mais c'est pareil que le 11. Alors, on y va. Deux mailles en l'air. L'angle, toujours pareil. Deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas. Hop, comme ceci, un jeté. Une, deux, 3 et 4, la maille serrée. Et là, vous voyez, c'est exactement pareil que le rang numéro 11 qui était ici. Donc, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la troisième maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la troisième maille serrée, 1, 2, 3, 4, dans la troisième maille serrée, 1, 2, 3, 4, dans la troisième maille serrée, 1, 2, 3, 4, dans la troisième maille serrée, 1, 2, 3, 4 dans la troisième maille serrée. Oups, oups, oups. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 dans la troisième maille serrée. 1, 2, 3, 4 dans la troisième maille serrée. Et là, on part pour l'angle. Donc, 1, 2, 3, 4, mailles serrées et on crée notre angle. 1, 2, 3, 4 et on fait notre angle. Bon, ça, vous l'avez, vous le connaissez par cœur maintenant. Vous faites donc votre rang complet comme ceci et on reconnaît le rang numéro 12 qui était que là,
on fait les 8 brides, mailles serrées, 8 brides, diminution sur les 3 arceaux, 8 brides, mailles serrées, 8 brides. Le rang d'après, eh bien, c'est le même que celui-ci, numéro 13 ou numéro 11, c'est pareil. Et ainsi de suite, vous alternez le 12, le 13, le 12, le 13, le 12, le 13, jusqu'à ce que vous ayez une hauteur, bien écoutez, qui vous convient. On se rejoint donc quand la hauteur... Ah, est-ce que c'est pas mieux si je vous avais montré comme ça? Je pense que c'était mieux. Donc, je vous disais, ici 8 brides, mailles serrées 8 brides, diminution, comme le rang numéro 12, 8 brides, mailles serrées 8 brides. Le rang d'après, vous refaites celui-ci, des arceaux, et ainsi de suite. On se rejoint quand la hauteur vous convient. À tout à l'heure. Alors, quand vous arrivez à ce qui vous reste grossièrement ça de fil sur votre pelote, vous voyez, je ne saurais pas vous dire combien de grammes, mais enfin, quand il vous reste à peu près ça de fil, vous arrêtez. Et vous changez la pelote, vous en prenez une autre. Parce qu'il va falloir qu'on le double. Donc, pour le doubler, il faut avoir deux pelotes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va mettre celle-ci de côté. Hop, hop, hop. Je vais éviter de renverser mon thé. Donc, je coupe. Je mets ça de côté. Je prends ma seconde pelote. Alors, la seconde pelote, vraiment, on ne va pas en utiliser beaucoup. Chose parfaite qui nous servira pour faire des un petit porte-monnaie. Vous voyez, plein de choses. Hein. Donc, pour moins de 10 euros, vous aurez et ce joli sac, plus un porte-monnaie ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous reprenez un deuxième fil. Et on est parti pour utiliser l'autre pelote. Et après, pour faire l'aisance, on viendra prendre d'une pelote et de l'autre. Et on crochetera les deux ensemble. D'accord? Voilà. Donc là, on le met de côté. Et ça, ben écoutez, on le joint. On croise. Comme ceci, lui, il vient par-dessus, comme ça. Et à l'intérieur, vous tirez l'autre par-dessus, comme ça. Et à l'intérieur, ici. Vous tirez, vous voyez ce que vous obtenez comme ceci, et là maintenant on peut tirer très 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 fort dessus, c'est hyper méga solide, je vous le promets, vous pouvez couper à ras, on le verra pas, on le sentira pas, et on poursuit notre sac comme ça. Voilà, vous voyez, on voit pas le la petite chose. Allez, on continue. Je vous montre grossièrement où j'en suis. Voilà, bah écoutez, je continue. Je verrai bien. Je vais faire un sac bien profond. Donc voilà. Pour ma part, j'ai fait une hauteur qui est correcte. J'en suis à 20 rangs. Comment je le sais bien? Écoutez, en comptant donc sur les angles là. Qui sont pas vraiment des angles hein, en fait, en comptant donc sur les augmentations, donc il y a 20 augmentations au total. Au niveau des centimètres, ce serait intéressant ça par contre. J'ai mis ma règle. Donc, ça mesure 27 centimètres de hauteur. Et en largeur, nous sommes sur 20 cm. Voilà. Donc, c'est un carré. La base est carrée.
Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, comment j'ai fait pour le faire tenir aussi bien? Vous savez très bien que ma recette magique, dont je ne peux absolument pas me passer, et ce fil est très adapté, pardon, pour, c'est le fabulon. Voilà. Le fabulon qui permet donc de rigidifier, mais pas vraiment, vous voyez, c'est souple, mais ça fait bien tenir. Donc, un petit coup de fabulon, un petit coup de fer à repasser, et ça nous met donc notre sac en place. Je vais venir maintenant, alors ici, j'ai terminé mon rang, je coupe le fil. Je vais rentrer le fil et on va faire donc l'aisance. Voilà, allez, un bon nœud. Voilà, le fil est à présent rentré. Comme ceci. Donc maintenant on va faire le cordon roumain. Je vais vous montrer quand même le côté. Voilà ce que ça donne, les motifs que nous avons. Voilà ce que ça donne comme motif. Oui, c'est très délicat. Ça ressemble au chat de virus, en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est original. Allez, c'est parti. Au niveau des fils, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il me reste ça d'une pelote et ça de l'autre. D'accord? Donc, on va venir mettre les deux fils l'un avec l'autre. Prendre un crochet plus gros parce que là, le 3,5, ça ne va pas le faire du tout. Je vais prendre un crochet en numéro 5. Et je vais faire donc des anses de 30 cm. Alors on laisse un peu de fil pour pouvoir joindre ça à la aux pointes de l'anse, là, comme ceci. Et c'est parti pour un cordon donc roumain avec un crochet en numéro 5. On vient faire donc une, deux. Maille en l'air, on vient piquer ici donc dans la première et on fait un jeté comme ceci et là vous attrapez et vous tournez, ça vous allez le mettre en haut, d'accord? Là vous allez passer votre crochet, vous voyez ici vous avez une petite bosse, donc vous allez passer votre crochet sous la bosse, vous récupérez le fil. Comme ceci, vous faites un jeté et là vous faites un second jeté, d'accord? Et on récupère, hop, on prend et on tourne. Là maintenant vous avez quatre fils, 1, 2, 3, 4, vous passez votre crochet dessous, vous récupérez votre fil comme ceci et là vous faites un jeté. Faites-le de façon délicate et détendue parce qu'autrement vous rentrerez jamais le crochet dessous. Allez, on récupère et on tourne. Et on se retrouve encore une fois avec nos quatre fils ici. 1, 2, 3, 4, ce qui nous permet de passer donc le crochet dessous. On récupère comme ceci. Et là, on fait notre jeté. On tourne et on recommence sous les quatre brins ici. On récupère le fil. Voilà. Et un jeté. Et on tourne et on continue comme ça. On fait donc deux anses de 30 cm ou plus si vous voulez que ce soit plus long, c'est à vous de voir. Hein. Voilà le résultat, ce que ça donne. Bien, je vous rejoins quand j'ai fait mes deux anses de 30 cm. Je vous dis à tout de suite. Est-ce que je vous ai dit que je m'étais arrêtée avec les coquilles de 8. Voilà, je me suis arrêtée sur les coquilles de 8. Hein. Allez, je fais mes deux anses et je suis à vous. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 30 cm, eh bien on coupe le fil, on vient le tirer, on va mettre une aiguille au bout.
j'ai déjà mis la première pour vous donner une idée de ce que ça allait faire. Donc on se met à l'opposé comme ceci. Là on vient donc placer dessous comme ce, dans ce sens une fois. Alors après à l'intérieur là, on tire le fil. Donc on sécurise bien, bien évidemment, de façon à ce que si on met du poids, on met bien, bien, bien du poids dans le sac, ben, que ça s'arrache pas. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on revient à l'intérieur comme ceci. Et là, on va venir tourner. Vous voyez, comme ça, autour. Pour solidifier. Voilà. Allez, ben écoutez, maintenant, il nous suffit plus que bien rentrer le fil le plus loin possible et à couper. Et bien voilà, quand on a fini de mettre les anses, notre sac est à présent terminé. Alors bien évidemment, vous n'allez rien voir. Donc, la meilleure des solutions, c'est que je vous fasse des jolies photos. Le fait de l'avoir à midonner, ça donne vraiment un plus. Il est vraiment très, très, très joli. Bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Non, 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 ne partez pas, ne partez pas. Attendez, je vous montre ce qui reste. Voilà. Il reste tout ça. Vraiment, je vais garder ça uniquement et je vais vous faire un projet avec pour vous montrer que avec moins de 10 euros on peut avoir un très joli sac bien grand, profondeur 34 cm, qu'on peut avoir un sac bien grand et en plus qu'on peut en faire un second projet. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner, à très vite.